Stéphane Capella. Yes. C'est un grand jour là. T'as oublié ou quoi? Le Mac. Oh, on est lundi, Stéphane. Mais non. C'est le grand jour. Waouh, incroyable, t'es allé trop vite. Stéphane Capella. Viens là, viens là. Tends-moi tes mains, Stéphane. Ah, mais filme, c'est bien. Ça va les cheveux? Hey, t'aurais pu faire au mieux. Non, oh, mais non. Je t'adoube, Stéphane. Waouh. Les gars, la prophétie du 1 Mac pour Steph est enfin arrivée à son terme. Je te vois pas que tu es en train de déballer mon Mac là! Oh, mais même ça, c'est satisfaisant, non? MacBook Pro de Steph. Minia 1, ah. Minia 2. Les lunettes. On m'a volé mes lunettes. Je vous le dis, on m'a volé les lunettes. Je voulais pas le dire parce que. Comment ça? Hashtag un voleur à la GECOR. Non, mais comment ça on t'a volé des lunettes déjà? Non, je m'arrête carrément. Ouh. Oh, le flow multiplié par 10 instantanément. J'ai mis la vie de ma mère. Je suis imperturbable, j'attends ce moment depuis au moins 6 mois. J'ai envie de faire un coup de fluo sur la boîte du Mac juste pour le placer avec lui. Oh, bo. Nique le costume à 400 euros si tu veux, pas le truc du Mac. Ouais, sa mère. Pardon. Voilà. Vous avez parlé au moment où il y a eu le oh, je ressens des trucs de fou là. Il arrête pas de me mettre des trucs dans le plan parce qu'en fait son bureau il est trop en bordel. Vous gâchez mon moment là. Oh là là, mais il brille de mille feux, c'est fou. Oh, trace de bouche. Oh, il s'allume. Oui, enlève le truc. T'as vu la connexion tard les fous? J'ai même pas appuyé, il s'allumait direct. Je peux avoir un moment intime avec mon Mac maintenant ou... Ok, ça marche. On te laisse un peu, okay. on te laisse un peu en paix. On met l'étiquette parce que ça appartient quand même à la société. Oh non, c'est mort. Non, c'est. Alors, non. Par contre, ça appartient à la société. Tu vas absolument pas coller une étiquette comme ça sur le devant de mon Mac. Mais non, parce que filme le massacre qu'il a fait sur son Mac. Quoi, tu l'as fait? Il faut mettre une petite étiquette. Non, mais t'es un malade. Toi, t'es un malade. Tiens, dégain, toi. Merde, tu t'approches pas de mon Mac avec ça. Non, on va trouver un compromis. Non, mais c'est un dégain. Il a mis ça sur le tiroir. Mais où? Derrière. Sur ton Mac, il y a. Mais va te faire. Ça appartient à la société, c'est Mel qui m'a dit de faire ça. Mais t'es un malade, hein. Tu vas dégain. Viens là Stéphane. Mets-le en dessous. Non, on va trouver un compromis. T'es mal à la taille de l'étiquette, elle fait 2 mètres carrés sur 4 mètres. Là tu gâches mon moment. Les premières fois avec son partenaire c'est très important, là t'es en train de gâcher mon moment. Bientôt je bande plus là. Bon bah je le mets sur la cam. Pour combien je mets mon ordi, mon Mac en chinois pendant une semaine? Hé, regarde ton étiquette de mort. Non, l'étiquette. Oh non, là, toutes les mélisses, il y a des ingénous. Mais il faut pas le mettre là, tu mets en dessous, au pire, au moins, ça se voit pas, t'es un ouf. T'as de la chance que c'est pas le mien. Ça me fume parce qu'Alex, il s'est retourné, elle a rigolé, il s'est retourné, elle a fait sa tête méchante. Oui, la tête. Camille, ramène tes ongles là. Vas-y, décolle parce que c'est pas possible. Je suis pas bien. Faut que je nettoie après en plus. Regarde ce que t'as fait. Regarde le résultat. Filme-toi là. C'est ça qui est drôle. Mais c'est pas drôle, frère. Regarde ce qu'il a fait, gros. Il a niqué un truc à 2500 euros, frère. On est passé d'un moment magique à un moment dramatique. C'est terrible. Et en plus, je suis pas au courant. Oh, l'accent marseillais qui ressort là. C'est vraiment là, on est dans les fins fonds de l'énervement là. JK, attaque! Hop là! Y'a plus qu'à nettoyer la colle, ça c'est des restes de colle. Allez, moi je vais. Toi, prochaine fois, tu descends à Marseille, tu finis en slip, gros, tu sors pas de la gare, frère. On va le prendre son accent direct. Ouais, il rame déjà, frère. Ça va, j'ai cliqué créer un nouvel identifiant Apple, y'a le truc qui rame là. Le truc multicolore, c'est pas des lol. J'ai cliqué sur créer un identifiant Apple, il rame le truc. Samy, tu mets le moment où Steph il tient l'iMac comme ça. Juste à la fin du rush précédent. Quand il te dit. Voilà, il a dû voir le tunnel du Mont Blanc, le cousin. Ça faisait longtemps, mais tu mérites, gros, putain. Les gars, je sens votre seum. L'Orient Express, le bordel. Non, mais... La vanne, elle était. Moi, j'avais le plan et je voyais plus ton nez que tes yeux, gros, frère. Non, là... Tu penses qu'on peut écrire Google? Attends, je l'ai pas compris là. Oh. Là, du gros. C'est drôle ou pas? Fallait faire un petit coucou quand même. Tu traînes? Ouais, il est sur Tizmo là. Regardez les gars, on est lundi, il est 19h. Et je crois que tout le monde commence à être fatigué parce que quand il y en a un qui siffle, tout le monde siffle. Allez-y les gars, c'est parti, la symphonie là. Je sais très bien, ils vont me laisser en chien. C'est la caméra qui vient de tomber là? C'est quoi, tu connais pas ton mot de passe? Non, il se passe là, je me connais. De la fleur en fruit. Putain, t'es bête. C'est devenu trop dur, moi. J'ai une question. Après, tu peux bootcamp toute la semaine, mais il faut absolument que tu le dises. Pour la Z-LAN, c'est une question sérieuse. Est-ce que du coup, tu penses, tu t'es décidé sur si tu veux coter une régie pour récupérer toutes les POV ou on stream juste à POV? Qu'est-ce qui se passe, Camille, là? Je fais des vocales. Oh, mais t'es.
Là, ça fait 30 minutes. Je veux changer de place. Écoute, j'en pleure de rire depuis tout à l'heure. Ça fait 30 minutes à changer. Changez-la. Mettez-la. J'en peux plus. Alors, ça dit. Attends, attends. Elle a soufflé pendant. Steph, il est très sérieux aujourd'hui. Hein, il a son Mac là. Ça fait 40 minutes. Je peux pas me prendre le câble. Il bouge pas. Y'a rien qui va. Ça va? J'en peux plus. Normalement, on est comme ça vendredi soir. Là, c'est lundi soir. On est lundi, hein. Bon les gars, aujourd'hui, après combien d'années d'existence de ce PC, je ne sais pas, il faut qu'on l'ouvre et il faut qu'on regarde ce qu'il y a dedans. Je vous avoue, je sais pas comment faire parce que là ça bloque et je suis désolé si je le casse quoi. C'est parti, ce qu'on doit le réparer, on a des petites barrettes de RAM là, comme vous voyez, il y en a une parmi les 8 qui est endommagée. Du coup, il faut trouver laquelle c'est, il faut la changer. Et du coup, il faut absolument ouvrir le PC. Vous qui demandiez ce qu'il y a là-dedans, bah vous allez le voir. Hein. Alors... qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une caméra ici. On a un water cooling. Ouais, je suis pas technicien. Hein. Là, il y a des câbles. La présentation pas pro. Voilà, une RTX. Il y a un i9, je crois, dedans, mais je sais pas lequel c'est. 64Go de RAM, ça je le sais. Après le reste, voilà quoi. C'est bon, elle vous a plu ma presse? Dites-moi en commentaire. Défilé. Faites quoi? Tu viens filmer que je mange diète? Oh. C'est bien. Ouais. Petit poulet fait maison, petit riz asiatique. Oh, monsieur. Aide-nous là, Alex, là. Douane. Ouais. C'était trop drôle hier, enfin avant dire. Dévoré. Non, il y a pas de E à la fin, il y a pas de E. Ouais, je sais. Il y a un E mais il est pas là. En fait, c'est forcément S à la fin. Comme on est en tryhard là d'un coup, dehors, on est 5. Je me suis déjà fait baiser sur ce. Ah mais oui, on est trop bêtes. T'as 5 cerveaux là. Allez les gars, on en fait un autre. Il y a un embrouille de ouf entre tout le monde là. Camille, viens là. On a mis en place un planning de rangement. Personne m'écoute, c'est terrible. J'ai une grosse. Ah bah c'est bon là. Littéralement personne m'écoute. Donc je disais, quelqu'un m'écoute? Ta gueule. Ok, bon bah fin du rush. Ok, bah salut. La caméra toi. Ouais voilà, salut. Allez. Tout le monde, bisous la team. Okay, bon, je disais, on a mis un planning de rangement. Donc on a 3 personnes par semaine. De Élise, je crois. Ouais, fort. Donc en gros, la semaine dernière, c'était Yann, Élise et moi. Du coup, on a débarrassé tous les cartons, etc., etc. On a fait quelque chose de propre et tout. Et là, cette semaine, c'est le tour de Camille, Una et Mel. Sauf que Mel, du coup, elle est malade aujourd'hui, donc elle est pas là. Et du coup, c'est à leur tour. Mais ils sont pas contents aujourd'hui. Non, mais tu peux arrêter. Moi, j'en ai marre de ranger. J'arrive aux locaux ce matin et quelle ne fut pas ma surprise de voir que Potty le clown a évolué en sa version 2.0. Je fais tourner la caméra, je crois que vous êtes vraiment pas prêts là. Montre-moi cette magnifique chemise. Alors, vous savez pourquoi il l'a mis? Parce qu'on a un shooting aujourd'hui, regardez-moi. Alors, en vrai de vrai, par contre, maintenant, sans vanne, l'ensemble, ça fait très bien. C'est vraiment pas mal. J'avoue que là, le nouveau Alex, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est beau ou moche? Je ne sais pas. En commentaire, ils vont le dire. Mais il y a un truc. Ah, dommage qu'elle soit noire. Non, ouais. Bah après, normalement, elle est sous la chemise. Ouais. Voilà, pour me faire pardonner, elle est sous la chemise. Avec la petite fleur. La petite fleur, sympa. Parce la couleur de la petite fleur. Mais le noir de la banane, non. Let's go. Ok, on est jeudi 24 mars. Et aujourd'hui, c'est shooting. Et du coup, là, comme on peut le voir, la pièce est en bordel. Et du coup, avec Alex, vu qu'on est de corvée ménage cette semaine, et c'est à nous de tout ranger. Donc, on prépare la pièce shooting. On fait un gros ménage pour que tout le monde soit à l'aise ce soir. Donc, je vous pose par là. Là, ce que je suis en train de faire en fait, c'est que pour le shooting, on va avoir beaucoup de monde qui passe les uns après les autres. Et du coup, on a les petites photos. Coucou Cédric. On a les petites photos imprimées de la pose qu'ils doivent faire, comme ça, ils sont pas perdus. Il y a toutes les poses qui sont précisées et comme ça, on peut enchaîner aussi plus vite. Alors du coup, je vous montre. Les personnes, quand elles arrivent pour le shooting, se retrouvent face au fond blanc. Et tout de suite, quand elles arrivent à gauche, je leur ai imprimé les exemples de positions qu'il faut prendre. Et ça, c'est les positions un peu plus rigolotes pour les miniatures YouTube. Et puis ça, c'est les positions un peu plus corpo pour les assets, réseaux sociaux, etc. Donc on a Coco sur les classiques. Et après il y a Cédric qui avait fait tout un dossier sur le drive pour les poses à prendre pour les miniatures. Voilà, du coup, et ceux qui se feront shooter, même là je me mets en situation shooting, je suis sur le fond blanc, j'ai juste à regarder par là et je vois les poses. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a? T'es un connard, t'as même pas filmé Lise, tu me filmes moi. Oh, ça rend trop bien. Je vais pas y arriver avec les caméras là. Ça c'est bras lâchés ou main dans les poches ou main devant. Trois quarts gauche, trois quarts droite. Ok. C'est tendu là. Ok, t'es frais, voilà. Cambre les fesses un peu. Ouah, il est passé en mode vogue. En fait, je suis juste un pro en fait. Vas-y, enchaîne. Ouais, tu fais quoi? C'est pas dans la brief. Incroyable. Merci, Elliot. Là, il a respecté. Allez, Alexandre. Il va bien le mettre, vous allez voir. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Oh, le crack. Avance-le un peu, à côté du double menton. Voilà.
sortais avec beau gosse. Très bien. En vrai, c'était bien, hein. C'était bien. Dommage, t'as rigolé parce que c'était propre. Hein. Ok, en mode yes, thumbs up. Lâche ton pouce bleu, c'est le moment de lâcher le pouce bleu les gars dans la vidéo là. On va faire 50 000 j'aime. Sourire avec les dents, t'as gagné, yeah. Non, ferme en fait. Et le dernier. Il se passe quoi? Je suis en train de détruire sa chaubière. Hein. Mm-hmm. C'est faux, il y a une boule à zéro là pour moi. Et là il va rater la 14. Regarde. Ah ouais? Ah, il va me débloquer la 14. Ah ouais, Sacha, Sacha le petit crack. Hein. Oh le crack! En fait là on a le duel des champions quoi. Il y a Sacha, il est venu. C'est extérieur, toi tu t'incarnes domicile. Exactement. Faut quand même le dire. Il est triple champion de France. C'est quoi déjà? De Vendée, de Vendée. De Vendée. Non, mais c'est vrai que je fais des tournois, il faut le dire. Oui, par contre, oui, je suis, je fais de la compétition de billard. Oui. Voilà. Pourquoi tu parles sérieux de coup là? Ok, alors, on a un débutant dans la photo. Pour ce petit shooting là, Camille, tu nous présentes ce nouveau... Alors bon, c'est son premier shooting, donc il va falloir être indulgent avec ouais. lui. Ouais. Il a pas trop l'habitude de ce genre d'exercice. Donc voilà, je vais essayer de le guider un petit peu. Un peu driver tout. Bon, il y a un monde où ça va être compliqué, mais on va essayer. Allez. Waouh. Allez, on rigole, bien entendu, c'est Brocky. C'est le plus facile en shooting. Ouais, c'est bon, genre... Oh là là, allez, vas-y, c'est bon, je vous laisse faire là. Ils sont trop forts. D'ailleurs, toi, il y a une communauté portugaise qui est en train de se relever dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on en pense ? Mes frères, mes cousins, mes amis, mes tontons, toute ma famille. Tu leur lâches un petit mot quand même. Merci à tous du soutien. Bah, tu peux parler en portugais. Non, non, pas de mots en portugais. Ils vont raconter la Turquie ce soir. Ouf, on va voir le reveal en plus là. Est-ce qu'ils ont gagné ou pas? Elle m'a niqué mon moral. Ah ouais, là t'es dans un mood gros. Tu veux rester ici sinon? On mange comme on a mangé. Non, pourquoi? Parce que je suis à la diète. Oh mince, j'ai un appel. Désolé, le travail m'appelle. J'ai trop le businessman, c'est un truc. Ouais, donc pour le contrat 1 million 100% c'est sa meuf. Ouais, c'est ma meuf. À la Madrid. Bonjour. Eh, hey, on s'est pas déjà vu il y a pas longtemps. Mais c'est pas possible. Eh, hey, oh, tu sais pas la dingue. Quoi? Il a perdu les rushs de l'élection du meilleur employé, mais il a réussi à les retrouver. Ah, bah, mais il c'est les bon, a perdus. En fait. Enfin, c'est bon alors. Mais nous, on nous a fait battre de fou. J'étais à deux doigts de refaire ça cette semaine. Salut. Je t'ai suivi ma race, hein, regarde, mais jusqu'au bout. Ah ouais, ouais. Élise, ce matin à la call, aujourd'hui c'est tenue chill du vendredi, enfin plus que chill, c'est gros jogos, voilà. Ah ouais, les claquettes. J'ai une excuse, ce matin j'étais à la salle de sport. Oh. Ok, ok. Steph, dans le monde, il y a plus de roues ou de pain? Eh ben sachez que je crois que vous m'avez presque convaincu. C'est un très très bon d'abat. Non, non, le micro-ondes déjà, c'est un très bon argument. Et dans un micro-ondes, il y a 5 roues, les gars. Dans un micro-ondes, il y a 5 roues, il y a qu'une porte. Les voiturettes pour enfants, il y a un mec qui l'a mentionné Hot Wheels, et il y a pas de porte, et il y a souvent 4 roues. Ah, les petites voitures? Ouais. Ah, sur les petites voitures, ça, par contre, incroyable. Elles s'ouvrent, mais il y a que 2 portes. Ça, non, ça dépend des portes. Ça dépend, mais si t'as des trucs Cali, moi j'avais des trucs Cali, il y avait des portes. En vrai, c'est un énorme débat. Il y a une théorie. Théorie sur internet, un mec qui avait un vrai mémoire dessus pour expliquer que des roues, techniquement, ça peut être des portes, mais par contre, une porte, ça ne peut pas être une roue. Alors en fait, moi, ce qui m'embête, c'est juste quelle est la définition d'une porte. Dans une voiture, est-ce que la trappe à essence et la boîte à gants, c'est une porte? Oui. À partir de là, ça fait que t'as 2 de plus au minimum sur toutes les voitures, ça ouais. change beaucoup de choses. Et la fenêtre, il y a une poignée, ça s'ouvre et ça se ferme, c'est une porte ou pas? Bah non, c'est une fenêtre, sinon on l'appellerait porte vitrée. Ouais, je sais, mais quand vitrée. Tu dis j'ouvre le coffre, en fait, le coffre, c'est la globalité, mais le système d'ouverture, c'est une porte. Oui, mais même ça change beaucoup de choses, ça, c'est ça. Considéré comme une porte, parce que c'est les voitures 5 portes. Tu comptes là et tu comptes et la route de secours. Et la trappe à essence. Non. Oui, mais ça reste un système d'ouverture avec une poignée. Oui, mais c'est pas, on appelle pas ça des portes. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est, viens filmer un peu là. Oula, attends, mais c'est quoi cet ordinateur? Écoute, c'est une petite illustration que j'ai fait hier soir avant de partir. On crédite l'artiste, s'il te plaît, Stéphane? Je non, c'est les fonds d'écran de base de Mac. C'est un fond d'écran de base de Mac? Ouais. Ok, donc on crédite Apple du coup. On crédite Apple quand même. Bon, c'est quoi comme journée là? Une journée plutôt tranquille? Une journée plutôt tryhard? Au une vu de la dégaine, plutôt, je pense qu'on sait déjà ça va être quel type de journée. Ça peut contraster, hein. Tu peux faire des grosses dingueries en chaussettes. J'étais en train de bosser tranquillement quand j'entends boum, katraboum, tika bam bam. Que vois-je? Misère de misère. Ouais, je vais faire défoncer, gros. Misère de misère. C'est ça de vouloir faire bien les choses. Voilà, on vous filme que les bons moments. Mais vous inquiétez pas, moi je suis là pour filmer les moments. Mais qu'est-ce qui s'est tombé tout seul? Non, non, c'est moi qui, quand j'ai remis, j'ai mal enclenché là. Et ça va, regarde, j'ai pu sauver les podcasts. Bon, c'est pas grave, ça arrive, tu t'es pas blessé? Non, ça va. C'est le plus important. Ça va. Mais ça va. On a une trousse de secours ici, de toute façon. Je mets un timelapse. Wow,
Bon alors Alex, raconte-nous un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Je suis vraiment un sadique hein, pendant que tu balayes, mais bon, qu'est-ce que tu faisais? Écoute, j'étais en train de remettre à neuf ce petit PC pour qu'il puisse nous servir en tant que PC pour nos nouveaux monteurs. Et puis que fut ma surprise quand j'ai voulu remettre la vitre, qu'elle m'a glissé des mains et qu'elle s'est... En tout cas, il n'y a plus de tabou entre vous, hein. T'as bien brisé la glace, ouais, c'est entre le PC et toi, c'est... J'aime trop. Yo les gars, du coup je cherche une vitre pour PC, si vous avez des petits tips ou des petits refs. Pourquoi il y a deux chiens d'un coup? Non, me filme pas. Qu'est-ce qu'il y a? Alex, il a cassé le PC French Monster. Comment ça a pété? La vitre. Ah, tu l'as mis là, Alex? Bah, c'est ok, non? Si c'est juste la vitre, ça se rachète là. Non, mais tu sais, c'était la vitre personnalisée French Monster avec le graphe et tout là. Si tu veux la voir, elle est là-bas, regarde. Dans le sac. Ah oui, pété, bien pété quoi. Foudroyé quoi. Mieux vaut lui que nous, non? Lui qui se fait bien, c'est pas nous. Il reste toujours ça. Oui, c'est vrai. Mais celui-là, il peut pas le péter, sinon il serait pété aussi. Il reste aussi. Toujours celui devant aussi. Non, là, il est à moitié pété. Et là, tu mets juste une vitre transparente, c'est pas grave. Donc, en fait, personne saura jamais qu'avant, il y avait des graphes. Ah, je vais le dire à tout le monde. Regardez ce qu'elle a fait, Camille. Non, mais franchement, Alex et Cam, ça va pas aujourd'hui. Vous avez fait quoi, franchement, là? C'est ma sauce. Je l'ai ouvert et après, je l'ai secoué. Enfin, bref, j'ai fait tout dans les ordres. Alex, pourquoi tu dis coucou Mel de manière super gentille comme ça? T'as quelque chose à te reprocher? Non. T'es sûr que t'as rien à te reprocher, Alex? Vous m'avez manqué. T'es de bonne humeur là? Bah oui, ça se voit. Ça se voit de ouf, franchement, mais je pense là. Alex il a fait une grosse bêtise, mais je veux pas poucave. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Bah en fait, si tu veux, t'as les PC, tu vois, quand j'étais en train de les nettoyer et tout, bah il y en a un qui avait une vitre, elle était vraiment out of date, tu vois. Et du coup, bah je l'ai retiré et je l'ai mis là. Il a cassé la vitre du PC personnalisé French Monster. Ah merde, ça se remplace? Oui, mais du coup, il y a plus le French Monster. Et Lise, elle a dit quoi? Bah, elle était vénère, elle m'a engueulé. Et... Parce que c'est un PC unique, quoi. Oui. En fait, tu as niqué un PC unique au monde. Oui. J'étais oui, dans oui. un mauvais mood. Franchement, je m'en fous, moi. Vous voyez, c'est la meilleure patronne. Je voulais te faire culpar un peu, mais en fait, j'ai lâché l'affaire. Je... T'as un joli sac, Mel. Eh, je sais pas si on a le droit de tease ou pas. Je sais pas. On... Moi, je montre tout à ma communauté. Voilà, c'est tout. Bien, hein. Magnifique. Qu'est-ce plus, que c'est que ça? Je peux mettre mon Mac, mon iPad, j'ai tout. On a rajouté 11 pour que tu vois. Regarde, ouais. Ça arrive pile à la bonne hauteur quand magnifique. Waouh. Vendredi 19h16, on n'a rien foutu de la journée, mais je suis obligé d'allumer la caméra parce que Alex vient de dire une dinguerie. Alex, est-ce que tu peux répéter? J'ai dit, est-ce qu'il y a une pistoche dans les parages? Parce qu'Elise, elle me montre des... Ok, pistoche, à votre avis, c'est quoi dans le chat? Pas dans le chat, dans les commentaires. C'est une piscine. Pour dire piscine, cet énergumène dit une pistoche. T'as jamais eu de piscine dans ta life ou quoi? Une pistoche. En vrai, c'est un truc de Marseille ou pas du tout? C'est un truc de vieux, genre on va à la pistoche. Mais oui, c'est un truc de vieux. Et on va à la pistoche, les gars? Tu dis pas ça? Sur ces belles paroles, bon week-end à tous.